Ce qui m'avait frappé, c'était le recours au masque, le recours à ce moyen de fasciner, de séduire les autres, qui à l'époque se manifestait, surtout dans les régimes de type nazi ou fasciste, par ce masque par excellence qu'est l'uniforme, le défilé. Il y a toute une conduite de fascination et même d'hypnotisation par le masque qui m'intéressait à l'époque. Ce qui fait que je me suis engagé dans une recherche des conduites masquées, une analyse des conduites masquées. Après tout, il n'y a pas que des collectivités qui se masquent, il y a aussi des individus qui se masquent. Ceci m'a conduit, par exemple, à examiner d'assez près les pseudonymes de Stendhal, les conduites masquées d'un Stendhal. Cela fait partie de la politique de l'individu face aux autres dont il désire déjouer l'hostilité. Mais par exemple, Stendhal a une valeur exemplaire pour vous. Est-ce que chaque homme, selon vous, porte un masque? J'entends ce masque, ce camoufle. Je crois qu'il faut dater la conduite de Stendhal et le recours au pseudonyme chez Stendhal. C'est un comportement qui caractérise l'individu du romantisme naissant, l'individu qui a pris conscience de son moi, de l'opposition entre son moi et les autres, qui tient son moi pour précieux et qui désire le protéger. Le masque et le pseudonyme, c'est une arme à la fois défensive et offensive, mais derrière laquelle se cache la conscience de soi et la volonté de s'imposer aux autres. Donc je ne généraliserai pas, je ne crois pas que la conduite pseudonymique de Stendhal soit universalisable. Elle a son insertion socio-historique très nette, me semble-t-il. C'est la raison pour laquelle le problème du masque ne me paraît pas être un problème éternel ou non daté. Plus exactement, c'est une possibilité éternelle de l'homme, mais qui change de signification selon les cultures, les époques, les moments historiques. D'autres exemples de masques? Eh bien, il n'y a pas que le masque que l'on revêt. Il y a aussi une attitude dont vous savez qu'elle est très courante aujourd'hui et qui prend naissance... il est très difficile de voir où elle prend naissance, car on la trouve déjà, cette attitude, dans l'Antiquité. C'est la dénonciation du masque. C'est l'attitude du soupçon, du grief, qui consiste à récuser les apparences, à déclarer qu'elles sont trompeuses, qu'il faut chercher derrière la grimace, la vérité de l'homme, derrière le sourire ou la séduction, une vérité différente. Vous voyez que tout cela peut très rapidement conduire aux théories que les théologiens formaient au XVIIIe siècle, par exemple, ou au XVIIe, de la fausse conscience. Bourdaloue dit que nous nous formons une conscience selon nos intérêts et nos désirs. Et puis, il y a tout le courant qui se plaît à arracher des masques ou des idéologies pour mettre à nu, sous le masque, sous l'idéologie, une réalité sous-jacente, une infrastructure. Vous voyez que cela conduit vraiment très très loin, cette analyse du masque, soit que le thème soit pris par son côté offensif, le port du masque, la conduite de celui qui s'est masqué, soit que le thème soit pris par son côté négatif ou critique, le refus du masque, la défiance à l'égard de ce qui se présente à nous sous une forme masquée. Or, ma découverte, si pour autant que ce soit une découverte, c'est que le refus du masque, la dénonciation du monde comme un théâtre, comme un jeu de masques et de 20 masques, c'est le propre du mélancolique dans la tradition littéraire. Songez à As You Like It, comme il vous plaira, de Shakespeare. Celui qui développe admirablement, d'ailleurs, le thème du monde masqué et qui prend ses distances à l'égard de ce monde masqué ou qui éprouve une distance invincible, c'est Jacques et c'est le type même du mélancolique. Et si vous poursuivez l'enquête, vous vous apercevez que le mélancolique, c'est le type humain que la tradition culturelle fixe dans l'attitude du
refus du monde, et le monde est refusé parce qu'il n'est fait que de mine, parce qu'il n'est fait que de grimaces. Et cette dénonciation, quand c'est un Montaigne qui la porte, eh bien, il l'attribue délibérément, consciemment, à un penchant mélancolique en lui qui l'a poussé à écrire. Donc nous voyons s'ouvrir devant nous une espèce de perspective double, histoire du masque, histoire du démasquage, histoire de la défiance mélancolique à l'égard du réel.